faire ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Anico, il est en sort. Je vous
السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Au nom du Cheikh Ayman, maman de Côte d'Ivoire, à leurs parents du Borou, mais surtout à la grande famille Bakayoko, les dons de la région. Nous allons démarrer avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, la délégation passera du district. Nous allons commencer maintenant. Regroupant les régions du Poro, du Tchorogo et de la Bato, et les ministres seront ici pour s'adresser à leurs parents. Mesdames, Messieurs, chers soeurs venus d'autres régions de Côte d'Ivoire, la lourde responsabilité de prendre la parole au nom des populations du district des Savanes en ce moment de séparation d'avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, un homme bon, un homme généreux, humaniste, un grand serviteur de l'État. Et apprécié. Oui, Ahmed, tu es parti. Elle est partie trop tôt, elle est partie bien trop tôt, inconsolable. Sachez, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, que la douleur qui frappe le Woroba, la douleur socio-culturelle commune, ont créé entre nos peuples des liens uniques et une solidarité rare. Pour nous, à feu Ahmed Bakayoko pour l'attachement, la fidélité, la loyauté et le arraché à notre affection. Pour toutes ces raisons, nous, population du district de Savanes, nous nous associons à son excellence Ahmed, nous formulons des prières. Des prières afin qu'ils trouvent en eux-mêmes les ressources morales nécessaires pour faire face à cette autre douloureuse épreuve que leur impose la volonté de Dieu. Que Dieu les fortifie et inspire leur action à la tête de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui dira dans quelques minutes adieu à cette terre des hommes, il va rejoindre définitivement ses ancêtres. Sauf en Béthio, sauf en Béthio. L'ultime voyage du Premier ministre Ahmed Bakayoko, disparu le 10 mars dernier. On nous répond, on nous répond, on nous répond pas. On nous répond, on nous répond.
Yeah.
Ivoire divise. Ivoire divise.